Vous savez, c'est plus qu'une urgence. En fait, on se rend compte aujourd'hui que la société est prête à une réflexion. En gros, quand un couple fait un enfant, très souvent, 8 fois sur 10, c'est que le nom du père. Et donc, quand ça se passe très bien dans le couple, le père et la mère font une déclaration et le gamin peut avoir le double nom, ce qui est le cas en Espagne, mais très souvent, ça ne se passe pas forcément bien. Cette idée de loi, c'est de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous rappelle que ce sont les femmes qui donnent la vie. Vous savez, Brice Toussaint, je vais vous donner 2 exemples. Parce que depuis ce matin, notre boîte mail est en train d'exploser. J'ai l'exemple d'une gamine qui, entre 3 et 6 ans, a été abusée sexuellement par son père qui est en prison. La mère ne peut pas faire changer de nom. Et cette gamine, tous les jours, quand on donne le nom du bourreau, elle se met à hurler. J'ai des exemples de gamins qui ont été abandonnés à l'âge de 1 an et qui, à 20 ans, la maman décède et veulent récupérer le nom de la mère. C'est simplement une égalité entre l'homme et la femme. Et on ne prend rien à personne, Bruce Toussaint. J'ai des tas d'exemples, si vous voulez, où ça permettrait de retrouver cette équité, égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que ça concerne les majeurs ou aussi les mineurs ? Et je vais vous donner un autre exemple. Vous vous appelez Sébastien Cocu. Quand vous avez envie de vous marier, vous n'avez pas forcément envie d'avoir ce nom-là. Donc, à partir de la majorité, vous pourrez changer une fois de votre nom. En ce qui concerne les mineurs, sur des cas extrêmes, violence. J'ai un autre cas parce que j'aime bien être quelqu'un de concret et précis. J'ai des témoignages de femmes qui ont été battues par leur conjoint, qui le jour de l'accouchement est parti et qu'elles se retrouvent à porter le nom de leur bourreau, elles pourront plus facilement changer de nom. Encore une fois, on ne prend rien à personne. On a l'exemple de l'Espagne. En Espagne, ça fait depuis toujours qu'on a ce double nom. Et je voudrais dire aux détracteurs, vous imaginez, vous avez un gamin qui a un double nom. Il se marie avec ma fille qui a un double nom. À la majorité, Bruce Toussaint, on laisse faire le choix à nos gamins qui prennent chacun un nom de famille. Donc, on ne prend rien à personne, ça ne coûte pas d'argent. On remet de l'équité entre la femme et l'homme, ce qui a souvent manqué. Patrick Vignal, on est bien d'accord que le choix se portera sur le nom de l'autre parents, hein, c'est pas un nom comme ça qu'on va inventer, on va pas s'appeler pour se faire plaisir. Bien sûr, Bruce Toussaint, votre nom vous va bien. Voilà, si vos gamins demain veulent se marier et que vous n'ayez que des filles et qu'ils veulent garder le nom de Toussaint, elles en auront le droit. Vous savez, à la fois, c'est une ouverture que l'on fait sur le monde. Et je voudrais dire aussi aux mails que je reçois ce matin, on ne va pas avoir des noms à rallonge, on n'aura pas 8 noms. Prenons l'exemple de l'Espagne, prenons l'exemple de l'Italie. C'est du bon sens. Vous savez, en fait, cette société est fracturée, on le voit en ce moment. Et là, c'est une note d'espoir. C'est une note qui permet de dire à des personnes qui sont en difficulté. Encore ce matin, j'ai reçu, je peux le citer, un jeune de Toulouse. Le père l'a abandonné à 1 an. La maman a tout fait pour ce gamin. Elle vient de décéder. Il veut apposer son nom de sa maman avec un CERFA. Ça doit être obligatoire. Le timing est le suivant. Cette proposition est portée par le garde des Sceaux et je la remercie parce que ça n'a pas été évident, par le groupe En Marche. Et je souhaite que la dinde de Noël, les Français en parlent. Et si vous avez des propositions, faites-nous-les, parce que tous les jours, on a envie d'abonder. Et puis, au mois de février, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle sera votée à la majorité des 577 députés et 364 sénateurs, parce que c'est une loi de bon sens.